Bonjour tout le monde! Ça va bien? Je suis Clara Quintella, je suis professeure ici à la maison tricotée et aujourd'hui on va changer un peu. Est-ce que, est que tout va bien? Parce que c'est la première fois que je viens au studio de la maison tricotée et je suis quand même un peu gênée. Et il y a trop de lumière, il y a trop de choses ici. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça va? J'espère que oui. Euh, mais, comme je me disais, je suis, bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je remplace Céline seulement cette semaine. C'est pas remplacer vraiment, c'est pour donner à Céline un souffle, une semaine de pause pour qu'elle puisse penser au cours qui viennent après. Et pour changer un peu. On a brodé notre temps de fête et maintenant, on, oh, on a tricoté notre temps de fête et maintenant, on va broder un peu et changer un peu. Euh, super. Ok, c'est bon. Benoît m'a dit que c'est tout bien. Donc, euh, je, je, on va commencer. Donc, euh, aujourd'hui, c'est ça notre projet. C'est ça qu'on va faire, cette petite cœur brodée. Je vous raconte un peu l'histoire, pourquoi j'ai décidé de faire ça. C'était un jour à la maison et la maison d'une personne qui travaille avec l'artisanat. Vous savez, hein, probablement chez vous, c'est la même chose, c'est la fête. On a des matériels partout. Et j'ai trouvé un tissu, un genre de canvas qui traînait. Et j'ai décidé d'essayer un petit point que j'avais appris. C'est ce point, ce point ici. Après, je vais montrer. J'avais appris ce point-là en ligne. Je pense que vous voyez bien. Et je voulais m'y pratiquer. Je fais un petit cœur. Puis je l'ai rempli. Je l'ai fermé. Et je l'ai accroché à ma fenêtre. Quelques jours après. Un ami est venu chez moi. Il a, vous savez, je parle les temps avant Covid. Oui, quand on pouvait visiter <laughs> les personnes avant. Donc, mon ami, un grand ami que j'ai ici à Montréal, est venu chez moi. Il a trouvé superbe et tout. Et ben, je lui donnais. Et là, c'est quand j'ai eu l'idée de, de faire des cœurs comme ça pour décorer ma maison et aussi pour offrir à mes amis. Donc, euh, j'offre mon cœur. À mes amis et c'est comme ça que j'ai fait les premiers et, et après ça j'ai décidé de montrer parce que c'est vraiment un projet euh, vite un projet facile oui un projet débutant et en même temps que c'est chouette c'est intéressant et j'ai trouvé pourquoi pas ne pas montrer à mes élèves comment faire ça et c'était comme ça qu'apparut l'idée de faire des kits et tout euh, non, je veux que Matcha vienne ici, mais Matcha, elle est trop, trop, elle a elle, elle joué avec Céline maintenant chez elle. <laughs> mais je veux que, que Matcha me fasse une visite aussi. Donc voilà, donc on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ça. Ça, je fais comme j'ai dit avec les canvases qui, qui j'étais. Dans les kits, vous avez trouvé, si vous avez acheté les kits, de, de bon lin. Moi, j'adore les lins. Et, et du tout ce qu'il faut pour oder ses cœurs. Donc, on va commencer. Je vais changer la caméra. Euh, oui, non, peut-être. ah! C'est bon. Donc, ça, c'est le cœur qu'on va broder. Avant, j'aimerais vous dire quelque chose. Euh, votre cœur est là déjà, un dessin que j'ai fait. Pour que vous puissiez euh, suivre. Moi, j'aime bien broder comme ça, ça veut dire sans euh, euh, un dessin. J'aime bien broder, la broderie libre, 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 que je peux créer au fur et à mesure. Donc, moi, je vais vous montrer, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. Je vais faire un dessin ici avant pour vous expliquer. D'accord euh, Si vous avez acheté les coeurs, le kit, vous allez voir qu'il y a quelque chose comme ça. Dans votre kit. Oui. Comme un, 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 un escalette. Et c'est cet escalette qu'on va remplir. Donc, première chose à savoir, c'est qu'on va broder dans ce sens. Donc, mon cœur, il va rester comme de l'autre côté. Mon, mon oiseau est ici et je vais broder d'ici vers là. Dans ce sens-là. D'accord donc première chose à faire. Ah, moi aussi, je ne vais pas broder avec un ciseau parce que je préfère broder sain, Mais vous avez un. Oh, pourquoi j'ai mis le cesso Parce que c'est euh, super important qu'il les tissus soient soupe, 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 étirés, d'accord Également parce que si je tire plus d'un côté que de l'autre, quand je lâche, quand j'enlève du ciseau ça va pas être beau, ça va pas être euh, comme vous voulez. Ok, donc. Toujours, toujours étirer les tissus dans toutes les directions et de temps en temps encore tirer un tout petit peu plus. Si vous avez acheté le kit, j'ai mis les deux cœurs ensemble. Ne coupez pas comme ça maintenant. ok? D'abord, mettez les cœurs, mettez les tissus comme il est sous les saissons. Et seulement à la fin, une fois que vous aurez fini votre broderie, là, vous pouvez découper les cœurs. Ça va comme ça? Ok, donc moi je vais commencer sans un dessin, comme ça. Je vais commencer des hauts. Donc peut-être je dois faire au moins un dessin ici. Laisse-moi prendre un crayon pour montrer qu'est-ce que je vais faire. Et bien sûr que j'avais un crayon ici et je ne le trouve plus. Ok. Non, ça c'est mon rouge à lèvres. C'est bon, pas de crayon, sans problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Ça, c'est mon esquelette. D'accord? Je vais mettre seulement un pour vous, montrer, pour vous montrer où je vais commencer. Je vais commencer en haut. Donc, j'ai pris mon fil ici. J'ai pris seulement deux brins de fil. Donc, j'ai coupé à peu près 50 cm, comme vous savez. Ensuite, j'ai coupé les brins de fil et j'ai tiré deux fils. Quand je tire les fils ici, je tire, je tire un à la fois. Donc, ici, les moulinets, il y a six petites fils ensemble. J'ai d'abord la taille que je veux et ensuite, je sépare un à la fois. Donc, j'ai mis deux sur mon aiguille et je ai fais un nœud ici. J'ai mis, si vous voyez ici, j'ai les deux jambes et une jambe, elle est plus courte que l'autre. Donc, dans la jambe qui est plus longue, dans la queue qui est plus longue, je fais un petit nœud. D'accord Donc, je vais commencer. Je m'en fiche du nœud. Pourquoi Parce qu'après, quand je vais fermer ici, tous les nœuds vont être à l'intérieur. Donc, c'est correct. On peut faire des nœuds sans trauma, sans problème. Donc, je vais commencer avec les points des bouclettes. Je vais faire une boucle. Comment je fais une boucle Je vais passer le fil. Mon nœud est de l'autre côté, du côté inverse. Ok Je vais rentrer mon aiguille au même endroit, mais je fais attention quand je rentre mon aiguille au même endroit. Pourquoi Parce que je ne veux pas piquer les nœuds qui est ici. Okay, donc, je vais prendre mon temps pour rentrer mon aiguille soit au même endroit, soit <coughs> coller au même endroit, super proche, ici. Et je vais faire ma boucle. Donc, mon aiguille, elle sort un petit peu plus en avant. Et je fais passer les fils en dessous, en bas, en dessous de mon aiguille, comme ça. De cette façon. Là, je vais tirer mon aiguille. Et... Je vais faire attention à une chose qui c'est très important. Les points de bouclette, je ne peux pas tirer beaucoup, je ne peux pas tirer trop, pourquoi Je vais faire exprès, D'accord Je vais tirer beaucoup pour qu'il vous puisse voir quest qui l'effet. Si je tire trop, je perds, je perds ma bouclette. Et n'est pas beau et c'est pas ça qui on veut. Donc je vais essayer de donner un petit peu plus de fil et je vais tirer doucement pour que ma bouclette soit ouverte. Est-ce que c'est compris jusqu'ici Facile hein. Jusqu'ici ça va Super. Donc et pour finir ma bouclette, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un point droit assez je ne peux pas dire assez long, c'est pas super long, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait ça. Donc, je vais rentrer genre demi centimètre ici dans mon esquelette. Comme si, si je suis en train de suivre euh, un esquelette, mon point mon point droit que j'ai fait, ça c'est ma bouclette, ensuite je fais le point droit, il droit, suit l'esquelette. C'est bon? Donc, point de bouclette et j'ai utilisé, j'ai fait ici un point droit. Qu'est-ce qui se passe? Ce point droit ici que vous voyez, et il va fonctionner comme la tige. OK? Comment ça? Je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'il va devenir euh, euh, une tige. Vous allez voir bientôt. On fait un autre bouclette? D'accord. Va... Je vais venir ici, de ce côté. Et je fais doucement un autre bouclette. Donc... Je suis venu de l'autre côté de la tige. Okay. Je vais rentrer mon aiguille au même trou, pratiquement. Et là, c'est important parce que où je vais sortir Je vais sortir exactement où mon point droit se termine. D'accord Donc, quand j'ai fini ce point ici, quand j'ai fait mon point droit, il a fini ici. Et j'ai recommencé un autre bouclette jusqu'à côté jusqu'à côté là. Donc mon point, mon aiguille elle est rentrée ici, elle est sortie là-bas. Je suis en train de faire mon point de bouclette, donc mon fil, il va passer en dessous de mon aiguille comme ça. Mais la pointe de mon aiguille, il faut absolument qu'elle sorte justement où mon point droit a fini avant. Donc là, je vais faire un autre bouclette. La pointe de cette bouclette ici correspond à la pointe de mon point droit. Et alors, qu'est-ce que je fais Un autre point droit. Donc, je vais faire un petit peu plus ici, demi-centimètre aussi. Il est venu là. Donc, bouclette, point droit, bouclette, point droit. Je viens de l'autre côté, je vais alterner. J'alterne le côté du. du... Euh... Alors, Ben demande quoi Mais maintenant, vous tricotez déjà Oui, essayez la broderie. Moi, moi j'ai commencé, mais je suis professeur de tricot aussi, à la maison tricotée depuis le début. Et un fois que essayé la broderie, alors là, j'ai la compétition du temps entre la broderie et les tricots. Ok, j'ai déjà fait deux petites feuilles et une tige. Je vais faire la troisième. Comme j'ai dit tantôt, je vais alterner le, les côtés. Je viens de l'autre côté maintenant pour équilibrer un peu ma petite plante. Je rentre ici au même endroit et je sors un petit peu plus avant ici au même endroit où j'ai fini, fini les points droits avant. Je fais un autre. Je rentre un petit peu plus loin. Et voilà. Est-ce que vous commencez à voir qu'est-ce que ça donne Quelque chose comme ça. Donc, l'idée, c'est de. Ça va Ok. Merci, Ben. L'idée c'est de euh, faire les plantes comme ça. Donc je vais, je fais une bouclette. Je commence ici. Je vais mettre A ici que c'est le point A. Ici, j'ai fait ma bouclette. Donc ici c'est aussi mon point B. Mon aiguille elle, elle sort d'ici. Ça c'est ça c'est un C, d'accord C ici. Mon aiguille sort d'ici et d'ici j'ai fait un long point doigt. Donc ici c'est mon D. Là, je viens ici de ces côtés, donc ici c'est A, je fais B, je fais C et je viens. Oups, non, là, c'est pas comme ça. Je fais A, c'est un grand bouclette. Les B est ici aussi, les C est là et je fais un autre tige. Même chose, les A est ici, les B est ici, les C est là et je descends et je je fais au fur et à mesure une bouclette, un point droit, une bouclette, un point droit, une bouclette, un point droit. C'est compris cette partie-là? Ça a du sens pour vous? Ok, euh, Micheline a bien changé ma caméra. Est-ce que ça va mieux? T'inquiète pas que je vais répéter les points de bouclette. D'accord? Est-ce que ça va mieux pour toi? J'espère que oui. J'attends sa réponse. Donc l'idée c'est ça. Je fais une bouclette et je fais un point droit, je fais une bouclette, je fais un point droit. Ok, d'accord, super. Bien à corriger, donc euh, si vous avez besoin d'encore plus de distance, laisse-moi savoir. Ok, donc euh, je vais faire... Je vais faire un autre ici. Donc ici, je vais faire jusqu'à la fin, je vais faire un autre, seulement pour finir pour montrer qu'est-ce que ça donne quand j'ai fini donc je fais une autre bouclette donc ici c'est mon euh, ici c'est mon A ici c'est mon A maintenant je fais les B qui c'est au même endroit des A je sors ici à la base de la tige où est mon C donc c'est une bouclette d'accord et la pointe de mon bouclette c'est ça correspond à la fin de mon point droit ici donc, quand je termine, je fais un autre tige qui est comme ça. Et cette fois-là, je vais faire un tige un petit peu plus longue pour que vous puissiez voir quest ce que je vais faire après. Je vais quand même laisser un espace parce qu'après, il faut fermer les petits cœurs. Okay? Donc, ici, ça c'est mon, mon côté envers pour les gens qui sont curieuses. Moi, je m'en fiche un peu, mais je sais que les, les gens qui veulent savoir comment mon envers reste, c'est comme ça. Je vais finir ici parce que je vais commencer une autre, autre branche en haut. Et oui, ce que je viens de faire, c'est un nœud ici, parce que comme ça va être caché dans l'écart, je n'ai pas besoin de me préoccuper à, à faire un super beau côté envers. Mais moi, en, en plus, moi, je m'en fiche un peu. Je ne pense pas que vous allez entendre notre professeur de broderie dire ça, mais ma formation comme brodeuse, c'est une formation d'artiste aussi. Je fais un bac à Concordia hein, dans le domaine de l'art textile. Donc, moi, je ne regarde pas mon côté envers. Ce qui m'intéresse, c'est seulement mon côté endroit. Pour mon côté envers, j'ai beaucoup de nœuds. J'ai beaucoup de nœuds. Alors, donc ici, comme vous avez vu, j'ai fait un branch d'arbre, ah, d'une plante. Je vais faire un autre. Je vais commencer l'autre ici, d'accord? Jusqu'à côté, ici. Et je vais vous montrer comment je peux suivre cet esquelette. Ici, qu'il y a plusieurs euh, tiges qui sortent de la branche euh, principale. Donc, moi, je vais commencer un petit peu plus ici, en haut. Même chose, je n'ai pas un dessin à suivre. Mon point A est ici, je vais tenir ici avec mon pouce. Donc, des bas en haut, c'est A. Ici, c'est mon B je rentre au même endroit, je fais attention pour ne pas piquer les nœuds à, à, en bas. Donc je vais sortir un petit peu plus loin et je fais attention de passer mon aiguille sur les fils comme ça. Voilà, je fais ma première bouclette et j'ai fait un point Droit. Ce point droit ici, il est essentiel. Pourquoi Parce que c'est lui qui va baisser, qui va laisser ma bouclette à la bonne place. D'accord Je pouvais faire un, un petit point droit ici, qui se termine ici au lieu d'un long. Mais qu'est-ce qui se passe Je n'aurais pas cette tige. Donc, euh, les points droits, il y a deux, deux, euh, deux motifs pour lesquels je l'ai fait. D'abord, pour maintenir ma bouclette à la bonne place. Et ensuite, pour faire la tige de ma petite plante. Donc, je fais une comme ça. Alors, je vais faire une petite feuille, une petite feuille ici. Je tiens avec mon pouce. Je rentre au même endroit. Ou presque. Et je sors ici. Au même endroit où mon point droit a fini, je passe mon fil en dessous et je tire mon aiguille sans tirer pas trop parce que si je tire trop, vous savez, je ferme ma bouclette. Et je vais faire exprès, mon point droit, il va être un peu tordu vers cette partie-là. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça donne J'ai commencé ici. Ce pas parce que le point est droit que je dois aller toujours dans la même direction. Ici, je change la direction. Je veux qu'il vienne rencontrer l'autre qui est ici. Donc, de ce côté, je vais faire un tout petite boucle sur l'oiseau. Je rentre au même endroit. Je sors ici et je passe en bas. Je vais faire un petit peu plus vite. Dis-moi si c'est correct, si vous avez bien compris. Donc, là, mon point droit ici, je vais piquer en bas de point droit qui existe ici, légèrement en bas. Et comme ça, j'ai déjà deux branches ici. Voilà. Vous voyez ce que j'ai fait ici? J'ai commencé un autre et j'ai fini ici. Et là, je peux aller et je peux faire ce que je veux. Je peux commencer un autre qui est ici, je peux commencer un autre qui est là, euh, plusieurs directions. Qu'est-ce que c'est chouette dans ce point ici? Euh, quand j'ai montré ça à un élève, elle a pensé d'abord qu'elle allait faire les squelettes, de l'arbre tout dans un point, point de tige, point, euh, point arrière, ou n'importe quel point. Et après, venir pour faire les petites feuilles. C'est une manière, d'accord, des faits, n'existe pas une seule manière, il existe plusieurs. Mais ce que je trouve chouette, c'est que avec deux petits points, bouclette et point droit, on peut faire tout en même temps. Et après, si je veux, je vais couper ça ici pour vous montrer une autre chose. Si je veux faire, je peux finir mon, mon, ma plante comme ça. Attends. Je peux faire au complet comme ça. Mais si je veux, je peux prendre un autre genre de verre. Ça, c'est un verre plus pâle. D'accord Et faire une variation. Soit je fais les bouclettes. Je vais faire une bouclette ici. D'une autre couleur. Donc, comment je fais un bouclette de l'autre couleur Je commencé ici, ça c'est A, ça c'est B, jusqu'à C c'est pareil, même chose, mon fil il passe en dessus. Et au lieu de faire un grand jambe comme ça, je peux tout simplement. Euh, Laisse-moi voir la caméra, comment je peux vous montrer Rentrer mon aiguille, au lieu de rentrer mon aiguille loin pour faire notre tige, je rentre mon aiguille ici très 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 proche. Et comme ça, j'ai une feuille d'une autre couleur. D'accord Ou je peux quand même faire un autre tige, un autre branche avec une autre couleur. Donc j'ai fait une bouclette, j'ai fait un point droit. Hmm. Si je vais faire un tout petite bouclette ici parce que ce c'est super Oui, d'accord. <laughs> Merci Benoît. <laughs> j'ai fait un autre ici. Et j'ai fait un autre point droit. Comme ça. Hum, je n'aime pas ça. Comment je peux les corriger? Je vais sortir mon aiguille ici. Et je vais faire un point droit tout petit ici pour compléter ma tige. Vous comprenez ce que j'ai dit ici? C'est le même point. Ouh, je tourne comme ça. C'est le même point, mais je fais avec deux couleurs. Et comme ça. J'ai quelque chose de nouvel ici, j'ai quelque chose qui change, qui est, est plus d'attention, ça me donne plus d'attention, plus de richesse, disons, plus de richesse de, de couleurs ou d'intérêt, de, de, plus de points d'intérêt. Avez-vous des questions sur cette partie ici ou on peut déjà changer pour les fleurs? Laisse-moi savoir si vous avez des questions. si ça va ou pas pendant ça je vais faire un petit nœud pour finir le ciel elle les limite j'aime bien les points qui sont simples dans la broderie justement parce qu'on peut jouer avec les autres éléments ici soit on fait toutes d'une même couleur ou on fait des couleurs différentes D'accord Donc, je pouvais quand même faire un peu ici. Il faut, so faut faire seulement attention parce que, après, comme je vais coudre, si je me rapproche beaucoup de la, des extrémités, peut-être ça peut être un peu difficile après de faire la couture. OK Donc, euh, je vais. Bien sûr qu'ici, j'ai encore d'espace et je pouvais faire ça je faire un autre. Mais si ça va pour vous, je le laisserai comme ça. C'est bon et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce qu'on va faire, on va faire des nœuds, des points des nœuds, qui j'adore. C'est un de mes points favoris, c'est les points des nœuds. Et je vais vous parler d'une astuce que j'ai appris et je trouve que ça changeait ma vie. <laughs> ça changeait ma vie après. Parce que j'avais toujours peur de faire les points des nœuds. C'était pas évident au début. Quand j'ai commencé à broder, il y avait toujours un brin de fil qui restait dehors et ce n'était pas beau. Et donc, euh, au début, je pensais que ce point était super difficile. Mais non, je vais vous dire pourquoi pas, pourquoi ce n'est pas difficile. Première chose, c'est que oui, on peut faire, quand on fait le point de nœud, on peut faire hmm, plusieurs tours autour de mon aiguille. Mais à chaque fois que j'ai fait... Oui, on... moi, avant de couper, on fait les nœuds. Non, c'est le contraire. On coupe d'abord les fils. Et là, je vais vous dire, si vous ne voulez pas avoir des mal à la tête, ne pas comme moi. Moi, j'ai la tendance à couper les fils super longs. Et quand je commence à, 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 à broder, ça commence à faire des nœuds. Donc, pour éviter ça, parce que je passe plus de temps en train de défaire des nœuds qui sont en train de broder, vous pouvez tout simplement prendre les fils entre vos deux doigts, comme ça, et couper à peu près la distance entre les doigts jusqu'à peu près ici, les coudes. Pas plus que ça. Les miens, est légèrement plus long que ça, et ça va déjà me poser des soucis, des problèmes. Mais c'est pas grave. Donc on court, on met dans l'aiguille, ok? Et seulement maintenant, je vais faire des nœuds. Comment je vais faire des nœuds? Les nœuds que j'ai faits, j'ai entendu parler, qui c'est les nœuds que les gens qui font des patchwork utilisent, qui font la couture. J'ai appris au fait ici dans l'école des coutures zigzag avec ma prof Susie. C'est elle qui m'a appris. Je vais vous montrer comment je fais. J'ai les oh macha, oh guida. Du, du, du. Coucou. ok. Regarde, regarde, qui est venu faire la visite? Ça va? Elle vous embête pas trop? Qui c'est qui? encore, de encore demandé <laughs> du chocolat? Elle est, elle est experte à demander <laughs> du chocolat. Hey, salut Nathalie, salut Micheline, salut Belle <laughs> Tiens, tiens, tiens. Miaou, miaou. Miao. Ok, la visite des matchas c'est toujours important. <laughs> ouais. Ok. Après avoir brodé des branches, on fait les nœuds dernier uh, Je fais toujours, je fais toujours les nœuds ici et après je les coupe. Je vais faire un autre démo quand je commence à broder le, le à faire les French knots. Je vais, je vais montrer comment je fais. D'accord. Mais oui. Quand j'ai commencé à broder ici, avant, quand j'ai fini avec une couleur, j'ai fait les nœuds et après j'ai cousu très proche du nœud. Je vais répéter ici avec les French knots. Comment je fais des nœuds pour commencer à broder Donc, ça c'est la pointe. je mets mon aiguille comme ça, un croix et ici. Voilà, un croix. Donc, je, prends, je suis droitière. Donc, ça c'est ma main gauche. Je mets l'aiguille entre mon index et mon pouce. J'enroule un, deux fois. OK? Je tiens ça, que j'ai enroulé dans le sens horaire. Euh, Donc, oui, horaire, pour, seulement pour confirmer. L'aiguille comme ça, je tiens comme ça, un, deux, oui. Je tiens les deux tours entre mes deux doigts. Puis, je passe l'aiguille sans ouvrir mon doigt jusqu'au... À la fin et voilà c'est magique j'ai un beau nœud pour commencer donc pour faire les french notes ici les, les points des nœuds on va utiliser les six brins des fils tout ensemble pourquoi c'est là c'est là l'astuce la que je vais vous parler ok je vais faire les points des nœuds ici de ce côtés. donc je rentre les fils de mon aiguille. Je vais laisser ici sur la table, OK Là, je vais tenir les fils. C'est ça, c'est les fils qui sortent du tissu. Je tiens entre mes deux doigts très proche du tissu. D'accord Très 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 proche. Et je vais enrouler seulement une fois autour de mon aiguille. Clara, j'ai entendu parler, il y a des gens qui enroulent genre trois fois, quatre fois, cinq fois. Pourquoi tu enroules seulement un fois? Parce que j'ai mis six fils et je sais avec les six fils, les nœuds qui j'aurai à la fin, c'est la taille que je trouve qui c'est bien pour ce, pour, cette, pour ces cœurs ici, pour cette décoration, pour, ces, pour cette pièce, disons. Donc, euh, si j'avais mis, disons, un fil ou deux fils, donc les fils plus minces que ceux que j'ai sur mon aiguille, là oui, il fallait faire comme plusieurs tours. Donc, euh, je trouve que c'est plus facile, c'est euh, plus facile, et est, au fait, c'est plus difficile de faire d'erreur quand on utilise les six fils en même temps, ou huit fils, ou dix fils, ou douze fils, et j'ai fait seulement un tour. Donc, je fais seulement un tour autour de mon aiguille. Je reprends ici euh, les cœurs de ma main. Je regarde, euh, regarde ici. Je mets entre ces doigts ici et mon index. Et quand je rentre la pointe, je ne rentre pas dans le même trou, mais je rentre dans un trou très proche. Et je fais attention de ne pas piquer les nœuds qui est en arrière. D'accord Donc, je ne, je ne rentre pas dans le même trou. Parce que parfois, le tissu, il est trop ouvert. Et si je passe mon aiguille dans les mêmes trous, ce qui va se passer, c'est que mon noeud, il va se passer aussi à travers. Donc, quand je rentre mon aiguille, jusqu'à côté, proche poche, je rentre mon aiguille. Une autre chose que vous pouvez regarder, c'est que je ne lâche pas les fils. Ça, c'est les fils qui sortent du tissu. Ça, c'est les fils qui viennent avec l'aiguille. Je ne lâche pas. Jusqu'à la fin. Quand il n'y a plus de fils à tirer, là, c'est quand j'enlève mon doigt et je tire jusqu'à la fin, comme ça. Et voilà, on a notre petite fleur. Ok Je vais faire encore une autre fois. Je fais ici. Je trouve. Comment vous avez trouvé la taille Vous pensez que c'est bonne Vous pensez que je devais faire comme un deux tours de plus ici Qu'est-ce que vous pensez? Alors, pendant que j'écoute votre réponse, je vais faire un autre. Donc, petite récapitulation. J'ai rentré ici mon aiguille. Ça, c'est mon point A. J'ai je, 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 je sorti mon aiguille jusqu'à côté ici. Je prends les fils qui sortent du tissu opposé à la pointe, opposé à l'aiguille, et j'enroule un fois, et quand j'enroule, peut-être parce que je suis droitière, je trouve plus facile quand j'enroule de façon un euh, Mais ça ne va pas influencer votre nœud, soit comme ça, soit comme ça. C'est la même chose. Moi, à moi, je trouve plus facile quand j'enroule comme ça. OK? Ensuite, là, je vais faire prêt Ici, je vais vous montrer, je rentre pas d'où mon fil sort. Je rentre ici, qui c'est jusqu'à côté. Jusqu'à côté, comme ça. Je, tire, je tiens mon fil dans ma main, all the way. Jusqu'à presque arriver à la fin, quand je n'ai plus de fil, c'est là que je lâche et là que je tire. Et comme ça, j'ai un autre. Et je veux faire plus parce que j'adore. Ces points-là, je pense que dans tous les designs des broderies que j'ai fait, je l'ai. C'est une bonne taille, Nano. Je suis d'accord avec toi. Et oui, je ne sais pas c'est qui le Facebook user, mais oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça joli. Je fais un autre. Je roule une autre fois. Je rentre ici proche, mais pas dans le même trou. Et je tire, je tire, je tire jusqu'à la fin et je fais 3. Et ici, vous pouvez jouer avec ça, d'accord Je trouve que c'est un peu fatigant quand on fait. Ici, je fais 3, un, hein, vraiment à côté de l'autre, super proche. Ici, je fais un, ici, je fais 2, ici, je pense que je fais 3 à peu près et je varie un peu partout. Donc, euh, si vous faites seulement la même quantité tout le temps, c'est un peu fatigant, c'est un peu. Je suis parfaite, Mais au moins parfaite, presque parfait. <laughs> Mais euh, je vais faire quatre ici parce que j'ai laissé un gain d'espace entre un et l'autre. Si vous savez des autres types de points pour faire des fleurs, vous pouvez aussi varier. Fais seulement attention, par exemple, il y a un. Ok, j'ai fait un autre ici au milieu. Je fais quatre ici. Fais seulement attention, il y a des points des fleurs qui sont euh, en anglais, ça s'appelle lazy daisy, qui c'est les points des bouclettes qui ont fait. C'est la même bouclette qu'on a faite tantôt. On fait ça, un petit point ici. On fait ça, des petits points ici. Donc c'est la même bouclette qu'on a fait. Mais la bouclette, elle commence et termine toujours au même endroit. Probablement, vous connaissez ça. En anglais, c'est Lazy Daisy. En français, je ne connais pas s'il y a un nom spécifique, mais c'est la bouclette avec euh, les, les, les mêmes les mêmes points pour commencer. Donc, ça fait que ça soit euh, concentrique. Moi, je ne recommande pas ces gens de fleurs ici parce qu'on a déjà beaucoup de bouclettes. Alors, donc là, oups, j'ai jeté mon aiguille par terre. <laughs> euh, Si je mets un autre point de bouclette ici, peut-être ça sera trop. Je trouve que la texture du, du point, du, du French Knots, du, du point des nœud, c'est intéressant justement parce que ça change, ça casse un peu le, les attentes. Donc, je vais faire plus parce que. Parce que... Et c'est selon un autre élève qui j'ai, c'est thérapeutique. <laughs> quand on en arrive. Parce que quand je n'arrivais pas, quand j'ai trouvé que ça, c'était difficile au début, qu'il y avait toujours quelque chose qui n'était pas joli, je ne trouvais pas ça thérapeutique, au contraire. Voilà, j'ai fait quelques. Donc, ici, je ne vais pas couper mon nœud parce que la distance, elle n'est pas si grande jusqu'à côté je fais un autre petit nœud et je rentre ici je tiens mon fil jusqu'à passer au complet donc ici je vais faire seulement un ici je vais faire un autre peut-être je vais faire un autre ici en bas pour que mon oiseau puisse manger. Il a l'air d'avoir faim. Je fais un. Ici, je fais trois. Donc, vous voyez que mon verre, ça va faire ça. Et je trouve que c'est beau. Et je trouve que c'est bien. Et il va être caché à l'intérieur de ça. Donc, comme j'ai dit au début, je m'en fiche. C'est vrai. Ici, n'oubliez pas de ne pas rentrer l'aiguille au même endroit où vous avez commencé votre point. Parce que oops, parce que c'est facile à avoir des troubles. Et ici, je vais faire plusieurs aussi. Donc je fais des 1 1 1 1 partout et ici je vais faire je pense qu'il a 2 3. Un. une autre idée qui est apparue dans un autre groupe où je donne des cours, c'est euh, de des faits les cœurs tout un point un point de nœud, rempli les cœurs tout au point de nœud et je dis... Pourquoi pas Je trouve que c'est une bonne idée. Et dans un autre groupe, je donne des cours en plusieurs endroits, en ligne maintenant. Donc un autre endroit, un autre groupe où je donne des cours, les gens ont dit qu'ils allaient utiliser ce petit cœur ici comme un pique-épingle. Et je trouve ça sympa parce que mon pique-épingle, j'ai mis dans un petit pot comme ça. Et j'ai brodé un haut. Donc ici, je peux utiliser... Comme un pique-pain. C'est à vous de décider comment vous voulez utiliser. Donc, euh, ici, je, je suis contente. Qu'est-ce que vous me dites? Est-ce qu'il manque quelque chose quelque part? Peut-être je vais faire ici, après, un autre, un autre morceau de l'arbre. Je ne sais pas encore. Donc, que pour la personne qui a demandé ici, quand je termine, pour bien finir, je vais faire des nœuds. Donc, normalement, je vais voir ici, par exemple, j'ai beaucoup de points qui sont ici. Je peux tout simplement passer mon aiguille en dessous du point qui existe. Et là, je suis contente. C'est fini. Je n'ai pas besoin de faire des nœuds. Et pourquoi je fais des nœuds au début? Parce qu'au début de la broderie, je n'avais pas beaucoup de points encore. Donc, je n'avais pas où rentrer. Je n'avais pas un choix sinon faire des nœuds. Ici, je commence à avoir pas mal de points. Donc, je peux tout simplement passer mon aiguille en dessous et je vois que c'est solide. Je peux, laisser, je peux laisser comme ça. Mais si vous voulez vraiment apprendre à faire des nœuds, d'accord, vous pouvez passer en dessus et ensuite, je passe de nouveau au même endroit. Ça forme une boucle ici et je passe au milieu de la boucle et je tire jusqu'à la fin. Maintenant que j'ai fait des nœuds, là, là et seulement là, je peux couper proche du nœud. Comme ça. C'est super important d'avoir un bon ciseau, une bonne paire de ciseaux très aiguisés pour ces genres de, de coupes, pour éviter que le, les tissus s'effilochent ou que les fils commencent à faire... De, euh, comment on dit, de, de filocher aussi, ça commençait, les nœuds ne soient pas bien coupés, ne soient pas bien précis. Donc, tiens, ici, j'ai déjà pas mal ma broderie faite. Là, l'oiseau. L'oiseau, ça, c'est une étampe, d'accord? Et je l'ai avec l'encre pour le tissu. Donc, vous pouvez laver tranquillement, ça va rester. Bien sûr que... Les plus que je lave, les plus qui ça va euh, euh, être plus pâle et plus pâle et plus pâle. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pour les tissus. D'accord Vous pouvez mettre dans la laveuse sans aucun problème. Pour l'oiseau, je vais mais Je n'ai pas... Ça, c'est moi, Clara. Je n'ai pas envie de le euh, broder au complet. Donc, ce que je peux faire ici, je vais prendre seulement un brin de fil, super fin. Je prends prendre une autre aiguille. Je viens de jeter une aiguille par terre. Ici. Pendant que j'enfile mon aiguille, j'aimerais vous dire de, euh, des autres choses aussi. Pour la broderie, vous aurez besoin toujours, si vous faites la broderie libre, qui c'est ça que nous sommes en train de faire, vous aurez besoin d'une aiguille pointue. D'accord avec un bel pointe. Si vous faites des autres des, des petits points de canvas work, de black work, des petits points euh, point, point de croix, des choses comme ça, pas besoin parce que le tissu, il y aura des trous comme les Aida et comme ça je peux passer mon aiguille à travers du trou. Mais pour la broderie libre, il faut que ça soit pointu. Donc, ici c'est mon oiseau, l'unique chose que je vais faire c'est des points de riz sont des petits points comme ça, presque des points de vie parce que je vais quand même faire un ordre comme si c'était les plumes. Il y a un pêche si vous voulez faire les contours ou si vous voulez ajouter plus de détails. Moi, je trouve que les plus de détails qui j'aimais ici ça peut tirer l'attention du de, de, de restant de, de, de la décoration. Donc, je vais mettre seulement des petits, petits, petits points ici. Et aussi, je pense que je vais là aussi pour la queue. Non, elle est chez Céline. Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais je pense qu'elle est habituée, hein, parce qu'on a beaucoup de, de, de épingles, de -pins par terre, parce qu'on fait de, de ici dans cette salle, on fait aussi de, des blocages pour les clientes. Donc voilà. Donc j'ai mis quelques points ici, j'ai mis quelques points là-bas. Rien n'empêche, si je veux, je peux changer des couleurs je peux remplir au complet, mais je vais laisser quand même seulement comme ça, des petits, 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 petits détails, ok? Je tourne, oh, ici je n'ai pas un choix sinon faire des nœuds, parce que je n'ai pas beaucoup, si je rentre seulement ici, c'est pas assez, c'est pas assez solide pour tenir, donc je vais passer dans les deux, je passe en bas des deux points, quand je fais ça ici, si vous voyez bien, il forme une boucle et je peux passer mon aiguille à travers comme ça. Et je tire et voilà, je fais un petit nœud. Et là je peux couper tout simplement. Qu'est-ce que vous me dites C'est bon ou pas Je prendre l'aiguille. Est-ce que vous aimez comme ça? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, euh, ici aussi pour l'oiseau, il y a quand même une petite feuille ici que je pouvais, euh, après, après non, maintenant, euh, la remplir de verre pour dire que c'est la continuation de l'arbre. Je pouvais pl faire plein de choses ici. Plus de détails pour l'oiseau, euh, plus de détails pour le pour où l'oiseau est, pour les branches où il est, d'accord? Les becs aussi, on pourrait faire les becs euh, en jaune. Ça va comme ça On fait les becs Bonne idée, bonne idée. Mais ce qui est important. Mon, ma suggestion, c'est que pour l'oiseau, vous faites, euh, euh, vous utilisez seulement un brin de fil. Et vous me dites, c'est quoi la règle La règle, c'est que les plus délicats. Qui je brode, moins de fils je dois avoir dans mon aiguille. D'accord Pourquoi Les plus de fils, les plus gros qui ça va être. On a vu cet exemple qu'on a fait des points de nœuds. D'accord Donc pour l'oiseau, je vais utiliser seulement un brin de fils. Doucement, avec patience. Donc, je vais faire les jeunes pour le bec. Ça va les jeunes? Oui? <laughs> je mets comme ça. Hop. Et je fais que des points droits. Qu'est-ce que c'est les points droits? Je rentre en A. Oups, ici. Désolé, désolé, désolé. Je rentre ici. Caméra fait des focus. J'attends un peu pour la caméra. Ou pas? Hum. J'espère qu'elle va s'ajuster. Attends un tout petit peu. Ou oh non. Ok. Donc, ce que j'ai fait, je vais faire ici immense et après je défais. Ah ah, là elle a fait. C'est bon. Donc, je rentre ici. Un A. Oups, j'essaye. Une jambe était prise à l'intérieur. Voilà. Une seule jambe de mon aiguille. Et après, je vais un B. Ça, c'est un point simple, un point droit. Seulement pour suivre le dessin. Je fais déjà deux fois. Je vais faire une troisième fois. Ici. Voilà, et je vais laisser comme ça parce que je n'ai pas beaucoup d'espace. Euh, ici, ce que j'ai fait, c'est ça. Pour que ça soit plus grand, tout le monde puisse comprendre. Ça, c'est les becs. Donc, ici, c'était mon A, ici, c'était mon B. Donc, la première ligne, je fais ici, vers là. La deuxième ligne, j'ai commencé ici et j'ai fini au même endroit. Et la troisième ligne, j'ai commencé ici et j'ai fermé dans le même endroit pour former un triangle. D'accord Donc jaune, jaune, jaune. Attention quand vous faites plusieurs points euh, pour remplir, plusieurs points droits pour remplir. Parce que je veux que, et on veut que, pour que ça soit une belle broderie, les fils soient un à côté de l'autre. OK si ça commence à être un sur l'autre comme ça, on ne veut pas. On ne veut pas que les fils passent sur l'autre. On veut que ça soit comme ça. Donc, c'est soit ça ou même on peut laisser un peu d'espace et on peut regarder les tissus. Mais jamais ça. Ça, ce n'est pas beau. Ça, ça commence à accumuler. Ça commence à être un travail grossier et on ne veut pas. Donc, ici, si vous regardez... Vous pouvez quand même voir les trois fils qui j'ai mis et je pense que c'est correct. Je vais le laisser comme ça. Ici, c'est le problème, comme j'ai dit tantôt, qu'on en met un fil trop long. C'est ça qu'il fait. Ça, c'est pas bien. J'essaie de défaire ça va pas. Donc, dans ce cas-là, fais pas ça. <laughs> Mais je vais faire. Je vais prendre ce brin de fil qui est super long comme ça et je vais faire des nœuds comme ça. Il n'est pas supposé d'être ici. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que quand j'ai passé mon aiguille, j'ai pas tiré mon, mon fil jusqu'à la fin. Donc je n'ai pas tiré les fils jusqu'à la fin. Il a, j'ai beaucoup de fil qui est ici. Pour ça, je vais faire les overhand knots, c'est les nœuds simples comme ça. Je vais faire deux, un sur l'autre. Mais ça, par exemple, c'était une chose qui, c'est pas bien pour aucune broderie. Même la mienne, je n'aime pas. Et regarde que je ne suis pas la brodeuse standard que vous connaissez. Pour éviter ça, regardez toujours si vous avez tiré les fils jusqu'à la fin. Ciao! C'est bon maintenant? On est prêts à fermer? Ça va? Oui, je vais les fermer. À vert. Oui, je vais utiliser les mêmes couleurs que j'utilisais pour faire les brinches, les branches de, de l'arbre ici. Je vais faire les nœuds, donc je vais mettre mon aiguille sur le fil comme ça. Je tiens l'aiguille la, avec le fil, j'enroule deux fois autour de mon aiguille, puis je passe et j'ai un Petit nœud. Et ces nœuds-là, il y a une chose. Quand, je, quand, je, quand je, vais fermer, je vais fermer ça, je vais fermer de mon côté extérieur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça, c'est mon côté extérieur. Ma broderie, elle reste euh, à l'extérieur comme ça. Et ça, c'est mon côté euh, extérieur aussi. Il va rester de l'autre côté comme ça. D'accord Donc, ça, c'est mon inverse et ça, c'est l'inverse du tissu. Les deux côtés extérieurs sont vers l'extérieur. Ça va jusqu'ici? OK. Quelqu'un m'a demandé, Clara, pourquoi je ne ferme pas comme ça et après, je renverse mon travail. Vous pouvez faire ça avec le tissu que vous avez. Par exemple, dans les kits, c'est un tissu en lin. Ici, un lin plus mince. Et c là, c'est le canvas dont j'ai parlé. Donc, il est, il est rigide, il est solide. Si je fais ça avec ce genre de tissu, ça va pas être bien, mais pour vous, vous pouvez faire ça. Vous pouvez quand même faire la machine et après les détourner, d'accord, parce que le tissu est mou. Mais si c'est un tissu dur comme un jeans, comme un canvas, ça va pas fonctionner. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais doucement, je vais plier l'extrémité, comme ça, et avec mes doigts. Je vais faire quand même un peu de pression avec mon ongle pour les laisser plier. J'ai fait ça avec les deux côtés. Ça, c'est mon côté inverse. Pour les faire ensemble. Ma couture aussi, comme dans les tricots, j'essaye de commencer et de finir dans les endroits où j'ai... Moins, il y a moins de, de visibilité. Si je mets la couture pour commencer ici en haut, ici il n'y a rien. Mon œil, il vient directement ici regarder la fin de la couture. Donc, euh, ici par exemple, c'est la fin de, de ma couture, c'était ici. Discret avec une couleur plus euh, euh, discret aussi parce que je ne veux pas que mon œil regarde directement dans cette direction. Donc, je vais commencer ici, débat, parce que je trouve que c'est l'endroit le plus discret. Donc, comment je commence? Mon aiguille est ici. Je vais rentrer mon aiguille ici à l'intérieur pour cacher mon nœud. Mon nœud, il va rester ici. Et ensuite, je vais fermer. Et les points que je vais utiliser pour fermer, c'est les points des festons. Je vais montrer les points de festons et une variation. Quel est le point de festons? C'est celui-là. C'est là. OK? Il y a quand même un fil qui passe sous les deux, les deux moitiés. Et il y a un motif pour ça. Parce que comme je vais... Alors, comment vous dites Un bourré. Un bourré, c'est ça vous mettre de, de ça à l'intérieur ou de la lavande ou d'autres chose pour les remplir. Je ne veux pas que ces petites fibres ici sortent. Donc les points que j'ai choisi, c'est un point que, au même temps qu'il place les deux côtés ensemble, aussi il y a un fil qui passe ici pour empêcher que les le, le rembourrage sorte. C'est ça mon objectif. Donc comment je fais ça? Je viens ici, j'ai commencé, j'ai placé mon nœud au bon endroit, je suis prête à commencer. Donc, je vais passer mon fil de l'autre côté, je vais tirer mon fil vers la, la gauche. Oh mon Dieu, vers, voyons, mon ciseau, vers la gauche. Je rentre mon aiguille jusqu'à côté, ici, et je fais attention parce que je veux que mon aiguille et mon fil aussi Passe en bas, en dessous de mon aiguille, comme ça. Donc, avant, il était comme ça, et je prends mon fil et je passe en bas, comme ça. Je passe mon aiguille et voilà, je fais mon petit point. Et si vous voyez ici, il y a un fil qui passe sous les deux morceaux en même temps. Même chose. Je viens ici, j'ai fait les points à côté. Je regarde pour voir si c'est la même hauteur et je garde aussi la même distance entre ces points là et ces points ici. Donc je pense qu'ici c'est correct. Voilà. Même chose, je vais regarder ici si mon aiguille est sortie au bon endroit. Je pense, je prends ce fil, je passe en dessous de mon aiguille et je l'étire. tire. Et comme ça, je fais mon deuxième point D. De festons. Facile, difficile. Je continue. Je vais faire le troisième maintenant, ou quatrième, je ne sais plus. Je rentre mon aiguille, je regarde pour voir la distance entre un et l'autre. Je regarde ici, pareil, si c'est bon. Le fil qui est là, je vais passer en bas de mon aiguille, comme ça. Et là, je peux tirer mon aiguille jusqu'à la fin. Et c'est correct. Et je vais fermer tout au complet jusqu'à la fin. D'accord. Avez-vous des questions sur ça J'ai une petite astuce à vous montrer aussi. Je sais que parfois c'est pas évident de garder la même distance, les la même distance entre un et l'autre. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas ici Je Quelques choix. D'abord, je me fais ici un tatou. Ça, c'est un vrai tatou qui s'efface. Avant, mon tatou, il venait jusqu'ici. Il faut que je le refasse. Mais en tout cas, mon tatou, il est là. Imaginez-vous que ça, c'est ma tatou. OK, que ça continue. Je peux faire ça. Pas besoin que ça soit un tatou. Vous pouvez utiliser un stylo. Euh, sera dans les groupes pour toutes vos questions. Oui, je serai, je promets. Donc, vous pouvez tout simplement faire ça, de petits points avec un stylo, pas besoin que ça soit un tatou. <laughs> et je peux laisser ici. Donc, je regarde la distance entre ces points et ces points là. Ah, là, ça me donne une idée où je devais piquer ici pour maintenir la distance entre ces points là et ces points là. Est-ce que ça vous aide? Oui, hein. ici ça commence à déplier. Je remets oops, à l'intérieur. Et j'ai fait ça. Qu'est-ce qui se passe alors Un autre point, une autre possibilité. Qu'est-ce qui se passe si j'oublie, si je pique ici et j'oublie de faire ça Est-ce que c'est un erreur Non, mais c'est un autre point. D'accord euh, Vous. Vous pouvez simplement passer comme ça sans passer l'aiguille en dessous. Je vais faire quelques pour vous montrer la différence entre une et l'autre. C'est un point de couture aussi. Au fait, la broderie vient de la couture. Si vous ne savez pas. Trois. Okay. Donc ça c'est le point de feston, j'ai passé mon fil en bas de mon aiguille, ça c'est un point de couture ordinaire qu'on utilise pour fermer, je n'ai pas passé, l'unique différence c'est que je n'ai passé pas mon fil sous euh, mon aiguille, euh, mon fil en bas de l'aiguille. Les deux fonctionnent, vous pouvez utiliser ça ou ça, pour moi ça m'est égal. Pourquoi je n'utilise pas l'autre point, comme le point avant? Pourquoi je ne peux pas tout simplement faire ça? Je vais faire vraiment moche parce que je vais le faire après. Pourquoi je n'utilise pas ça? Vous pouvez. Ok? Un, un, un pliant comme ça, vous pouvez utiliser ça. Pourtant, comme j'ai dit au début, je préfère utiliser ces genre de point qui, je passe quelque chose, je passe un fil sourd qui c'est justement pour renforcer, pour empêcher de faire sortir le, 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 le rembourrage, pour, faire, pour empêcher que ça sorte, la chose que j'ai mis à l'intérieur. D'accord Ah euh, oui, Nathalie, ça, je t'ai dit que j'ai fait ça après que j'ai utilisé ça plusieurs fois. <laughs> ça sauvait ma vie, un petit crayon. Je, ça sauvait ma vie et après, c'était vraiment utile, si utile que j'ai fait ma tatu après. Mais au fait aussi, ma tatoue je vous raconte un secret d'ici à là, je sais que j'ai 3 cm pile et jusqu'ici, j'ai à peu près 5 cm. Donc j'utilise souvent, ça c'est une règle qui est avec moi pour le reste de ma vie. Donc c'est vraiment, vraiment utile. C'est des choses de brodeuse, de, de couturière. Micheline, si tu mets la lavande, ah Comment? Ok, excellente question. Donc, excellente question, je réponds. Je vais finir ici, je vais finir, je vais finir, je vais finir. Au complet, bien sûr que mon début et ma fin, c'est toujours ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ces petits morceaux ici, la fin, même si j'ai encore du fil dans mon aiguille, j'ai fait avec un nouveau fil, de la même couleur. D'accord? Donc, disons que. Ce pas assez, mais disant que mon fil vert, il est assez pour venir jusqu'ici. Quand j'arrive ici, j'échange du fil, je mets la même couleur, mais je fais la finalisation avec un autre fil. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ma lavande, elle va perdre l'odeur, n'est-ce pas? C'est normal. Ou l'autre l'herbe que je mets dedans, à un moment donné, ça perd l'odeur. Donc, dans ce cas-là, quand je vais la remplacer, oui, j'enlève seulement ces petits morceaux ici. J'enlève ce qu'il y a dedans. Je mets des autres herbes et là, je peux fermer seulement ce petit trou, Donc, ça va bien. Le, le, la, pour terminer, je fais la même chose. Je fais pareil. Soit j'utilise... Quand, quand je dois utiliser ça, il y a quand même ça... ça, Comment je dis Son... Ah, euh... oh, mon Dieu. Son utilisation. Si je vais donner ça à une personne qui est allergique, une personne qui est allergique à la poussière, par exemple, je vais préférer donner avec ça à l'intérieur. Pourquoi Parce que avec ça, mon petit coeur il va être toujours lavable. Je peux toujours jeter ça dans la machine, jeter ça dans la sécheuse. Je ne veux pas. Ça va toujours fonctionner si j'utilise ça. Si je mets avec la lavande. Ce n'est pas évident. Il faut toujours ouvrir, enlever la lavande, laver, mettre notre lèbre, herbe, herbe, et après les fermer. D'accord? Donc, pour les enfants, comme pour les enfants, comme pour les personnes allergiques, je mets toujours ça, qui c'est les rembourrage euh, en polyester, polyester, nylon, acrylique. C'est ça. Euh, Est-ce que j'ai répondu à ta question? Micheline, c'était ça que tu voulais savoir? Pour la lavande, j'ai tout simplement, je l'ouvre, je mets, je, mets, je mets ici à l'intérieur. Les tissus que vous avez, c'est un tissu qui il est bien fermé. La trame, elle est, elle est, elle est bien bien serrée. D'accord? Je ne vous suggère pas de faire la même chose avec les genres de tissus qui qu'on peut voir à travers. Ce pas la transparence dont je veux parler, c'est justement de la trame. Il y a des trames qui sont plus ouvertes comme ça, qui sont des tissus qui sont bons pour les points de croix, pour les petits points par exemple. Mais comme ça aussi, la trame trop ouverte, ça permet que l'herbe que je mets dedans sorte et je ne veux pas. Dans ces cas-là, peut-être tu peux mettre un petit sac en coton avec la lavande à l'intérieur. Donc tu mets le sac dedans. Tu mets la lavande dans les sacs en coton et les sacs en coton dans les petits cœurs. C'est possible aussi. Trop d'ouvrages, non? On pourrait faire tous comme il faut. Donc euh, voilà, une fois que j'aurai fini, parce que je ne veux pas finir ici avec vous aujourd'hui, je peux tout simplement prendre mon ruban, je l'ai plié en deux, comme ça, et je l'ai cousu et j'ai caché les nœuds ici en bas, en dessus on dirait pas mais si je laissais grand je pouvais encore faire plus petit que ça mais c'est grand parce que je, je savais que j'allais vous montrer donc comme ça je peux cacher avec les rubans et sur la couture je peux mettre un petit bouton seulement pour cacher la couture d'accord nano bonne idée de rembourrage est-ce qu'on peut toujours ajouter de l'huile essentielle oui on peut on peut on peut ajouter à l'intérieur mais pense que la les plus de choses j'ai un élève qui elle est... Bon, je raconte cette histoire. J'ai élève qui elle est, est euh, aromathérapeute. Et elle a vu ça et elle a commencé à faire aussi pour offrir comme un cadeau de fête, un cadeau de Noël. Et euh, elle a mouillé les cœurs avec les, les huiles essentielles. Mais elle ne fait pas à l'intérieur, elle mouille à l'extérieur aussi. Ou elle a fait, non, je, non, 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 c'est pas ça qu'elle a fait. Elle a fait une petite poche ici, une poche super simple. Elle a coupé comme un morceau de tissu euh, plus petit que ça, plus petit que ça. Elle a coudre ici, le tissu, il est, il est ouvert en haut, donc c'est comme une enveloppe. Et dans l'enveloppe ici, elle rentre d'un petit morceau de coton avec l'huile essentielle. Donc, elle la met ici. Et comme ça, oui, c'est facile parce qu'on peut enlever et remettre facilement. Et on peut quand même changer l'odeur. Donc, petite astuce pour tout le monde faire une petite poche ici à l'extérieur. Donc, à l'intérieur, elle a mis ça, tout simplement. Et à l'extérieur, c'est où elle a mis son poche et elle rentre. Là, elle peut changer facilement. Ça va comme ça? Il a la mettre de, des de morceaux de, de coton avec l'essentiel et comme ça, elle peut, elle peut changer. Donc, euh, voilà. Avez-vous des questions ou je peux changer la caméra parce qu'on arrive à la fin, ou presque. Tout à là? Oui, 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 oui. Je vais changer ici ma caméra un jour, peut-être. Yay, c'est bon. Là, je comprends Céline. Je comprends pourquoi Céline oublie de brancher quelque chose. J'ai toujours peur aussi d'oublier de brancher quelque chose. Mais bon, donc, c'est ça ma, ma petite collaboration pour votre, pour votre Noël. J'espère que c'était bien passé. Si vous avez des questions, N'hésitez pas à me laisser un mot dans les groupes, à me taguer, je vais toujours répondre avec un énorme plaisir. Et aussi, euh, oui, bien sûr, c'est ça, c'est ça qui Benoît vient d'écrire. Je suis accro au Instagram, donc je vais tout regarder, tout ce que vous faites, toutes les idées que vous avez faites, des couleurs, de. Qu'est-ce que você mette dentro? Se si você consegue com l'huile essencial. Quelle é a sua experiência? Se si você change de tissu? Se si você change de couleur? Eu vou <laughs> D'accord? Merci beaucoup. Muito obrigada, todo mundo. Merci. Merci beaucoup. E et, et c'est ça. Bonne Noël, todo mundo. D'accord? Bisous. On se rencontre bientôt en ligne. Bye bye.